Salut, voici comment utiliser Paylib. Je vous montre comment ça marche. Et bien, avant toute chose, il faut savoir que Paylib est une solution de paiement mobile très simple à utiliser et très sécurisée, qui vous permet d'effectuer des paiements via votre smartphone sans avoir besoin de sortir à tout moment votre carte bancaire. Et bien, pour utiliser Paylib, il faut avoir un compte bancaire chez une banque partenaire à Paylib. Comme vous pouvez le voir ici, voici les banques qui sont partenaires à Paylib. Et bien, il faut noter et préciser que Paylib est disponible sur Android et sur iPhone. Donc, quelle que soit votre marque de téléphone, vous pouvez facilement utiliser Paylib. Voici les banques qui sont disponibles avec Paylib. Nous avons Crédit Mutuel, Banque BCP, Banque Populaire, BNB Paribas, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, Crédit Maritime. En fait, il existe plusieurs banques qui sont disponibles à Paylib. Il faut juste avoir un compte là sur ces différents types de banques et vous aurez la possibilité d'utiliser Paylib. C'est possible en magasin et aussi entre amis. Et bien, pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Paylib et être éligible à l'application ou bien au site web, il faut vous inscrire. Donc, comment s'inscrire sur Paylib? C'est très simple, nous allons le voir ensemble. Et là, il vous faut juste aller sur votre moteur de recherche et taper Paylib. La première option qui s'offre à vous, n'avez qu'à la sélectionner et accéder à Paylib. On va cliquer sur « J'active Paylib ». Sélectionnez votre banque et entrez votre numéro de téléphone. Et lorsque vous cliquez sur « J'active Paylib », vous recevez un SMS qui vous permettra d'activer directement Paylib. Vous allez recevoir un lieu d'application sur votre téléphone. Mais il existe aussi un autre moyen. Vous pouvez également ouvrir l'application de votre banque, de votre téléphone et chercher l'option « Paylib » dans le menu. Et après, suivez les instructions sur l'écran pour lier votre compte bancaire à Paylib. Une fois l'inscription terminée, vous recevrez un SMS de confirmation. Et voilà, vous êtes prêt à utiliser Paylib. Et maintenant, quand vous avez activé Paylib, voici comment utiliser Paylib en magasin. Donc, si vous voulez faire vos achats dans n'importe quel magasin et que vous voulez payer avec Paylib, il vous faut faire ceci. Et comme vous l'avez constaté, ce n'est pas toutes les banques qui peuvent payer en magasin avec Paylib. Il n'y a que des rares banques comme BNB Paribas, CIC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Yellow Bank, LCL, Monabank, SG. Ce ne sont que ces banques ici qui peuvent se permettre un paiement avec Paylib en magasin. Donc, avant de payer avec Paylib en magasin, vous devez vous assurer d'abord que le commerçant accepte Paylib. Si c'est le cas, vous retrouverez des petits écussons ou bien des petits stickers collés dans le magasin. Ou bien vous pouvez faire simple et directement demander au magasinier s'il accepte Paylib. Et bien évidemment, s'il accepte Paylib, vous n'avez qu'à ouvrir l'application de votre banque et vous sélectionnez Paylib. Vous approchez votre smartphone du terminal de paiement. Vous confirmez le paiement en utilisant votre empreinte digitale ou votre code PIN. Et dès lors, le paiement est instantané. Et vous allez recevoir une notification de confirmation. Et voilà, vous aurez utilisé Paylib en magasin. C'est aussi simple que ça.